Mais moi, déjà, ce qui m'a attiré, c'est un pays d'élevage, quoi. C'est un endroit où les hommes croient. C'est une des rares régions de France où c'est que les gens croient encore à l'élevage aussi fort, quoi. Tout est basé sur l'agriculture. Dans l'Aveyron, c'est élevage, élevage. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, si l'élevage s'écroule dans l'Aveyron, trois quarts des gens vivent de l'élevage, quoi, on va dire, de tout ce qui suit l'élevage et tout ce qui tourne autour de l'élevage, qui gravite autour. C'est un endroit, quand tu arrives là, c'est le nord Aveyron surtout, tu es sur les plateaux, quoi, les plateaux de l'Aubrac, tu vois des montagnes à perte de vue, c'est vert, c'est joli. Nous travaillons ici à la ferme des Vialars, la race Aubrac, depuis 3-4 générations. C'était la race qu'a élevée mon grand-père, mon père, et cette race se trouve très bien ici. Elle est sur son terroir, sur son territoire, et elle s'adapte très très bien. C'est une vache qui a. En fertilité, elle est exceptionnelle. Une vache qui vèle aujourd'hui, si elle n'a pas de problème, 21 jours après, elle reprend le taureau et elle est pleine. Elle fait un veau tous les ans, elle est bonne de lait. C'est une race d'élevage qui est reconnue et qui est une très bonne race. Bah, c'est une viande qui est très goûteuse, qui a un goût particulier, dont le grain de viande est très serré. C'était des animaux qui, à l'époque, travaillaient la terre avec un grain dans le muscle très serré. C'est une vache qui met de la viande, mais aussi elle met du gras. Et il faut savoir que le gras, de toute façon, c'est ce qui donne la tendreté et le goût à la viande. Une viande sans gras, c'est sec, ça n'a pas de goût. Et la race Aubrac a cette particularité d'avoir une viande qui est persillée, le gras s'infiltre bien, le bon gras, parce qu'il y a bon et mauvais gras. Mais l'Aubrac, c'est la particularité, c'est ce gras qui est persillé. On a des côtes de bœuf avec tous des petits points de gras dedans, c'est exceptionnel, quoi. Le maître dans ce domaine, c'est Franck. C'est l'homme d'élevage, l'homme qui parle à l'oreille des animaux. Et il arrive à caresser toutes les vaches. Il a une relation avec les animaux qui est extraordinaire. Les vaches sont en confiance, elles ne sont pas stressées du tout. Et grâce à ça, on arrive à avoir une ambiance extraordinaire dans cet étable. Je sens un peu mauvais, hein, quand même. Il faut avoir un côté animalier, quoi. Il faut aimer les vaches et aimer ce métier, on va dire. Moi, si je peux pas les caresser, les toucher,
ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien quand tu peux les tripoter. Les... Et puis, côté docilité, c'est très, très important. On se plaît à travailler avec des animaux qui te respectent. Il faut les respecter aussi. Et puis, c'est agréable quand tu peux les caresser. Si tu rentres dans le parc et qu'elles s'en vont au fond du parc et qu'elles te regardent farouchement, c'est pas... Pour moi, c'est pas de l'élevage. Moi, j'aime bien. Il faut y passer du temps. Mais bon, de toute façon, le temps... Maintenant, le problème, on dit beaucoup, oh, on n'a plus le temps de s'occuper des animaux. Mais quand ça te plaît, quelque chose que tu aimes, tu trouves toujours le temps de le faire, quoi. Au lieu de passer dans le couloir d'alimentation ou les couloirs qu'on a derrière, tu passes dans le parc et tu les caresses chaque fois. Tout. C'est... Après, c'est pas... ça leur plaît, quoi. La volonté, oui, c'est la qualité de la viande. On cherche à obtenir une viande de très haute qualité dans le profil des acides gras polyinsaturés et on cherche à avoir cet équilibre des oméga 3 et des oméga 6. Par cette formule, on va lutter contre les maladies cardiovasculaires et contre l'obésité. Le consommateur, les pouvoirs publics, tout le monde cherche à savoir ce qu'il mange, à ce qu'il y ait la plus grande transparence et traçabilité sur la provenance des animaux et de la viande qu'ils consomment. Nous essayons d'avoir un gras qui soit vraiment persillé dans le muscle, dans la viande, un gras intramusculaire et blanc. Hein. Il faut que ce gras soit présent dans la viande tout au long de la vie de l'animal. Il ne faut pas que l'animal grossisse l'été et maigrisse l'hiver ou vice-versa. Il faut que toujours l'animal soit en bonne santé pour que ce gras qui est présent dans la viande garde les goûts et les arômes. Allez, Bambi, je vais apporter, copine. On a des taureaux de monte naturelle qui saillissent les vaches. 9 mois après, un veau naît. Et il est, nous, on les élève, enfin, ils sont élevés exclusivement au lait de la mer. Jusqu'au sevrage, ils ont le lait de la mer et l'herbe, quand ils sont à la montagne, ils pâturent l'herbe verte avec leur mère. Là, sur 120 mères, on a 92 vaches qui ont vêlé au mois de janvier. C'est assez groupé. Thank you.
Et après, au sevrage, alors, on les sépare de la mère quand ils ont 10 mois à peu près. Et donc là, on les passe à une alimentation foin et un complément de céréales et donc de graines de lin toujours dans ce complément. Et tous les mâles sont castrés et on fait des bœufs à 24 mois. En phase de finition, on les garde pendant 6 mois de plus où là, ils mangent 10 kilos de céréales plus du foin. Et donc après, ils partent pour les restaurants à l'âge de 24 mois, quoi. De la fourche à la fourchette, c'est notre slogan. On veut maîtriser les céréales, la qualité du foin de montagne. On est presque au bio, on y contribue, on essaye d'arriver à une qualité bio sur tout ce qui est végétal et sur l'animal. Le bio, je pense que c'est pas suffisant, il faut autre chose. Nous, en plus, on est rentré dans une démarche bleu-blanc-cœur, ça s'appelle, qui c'est une alimentation qui est basée donc avec de la graine de lin extrudée, qui fait ressortir tout ce qui est oméga-3, oméga-6. Et par exemple, si on fait une analyse de la viande, vous engraissez une vache exclusivement à l'herbe et une vache donc, qui est engraissée par nos soins avec cette alimentation riche en lin, c'est ce qui se rapproche le plus du naturel, quoi. On a recours à des nutritionnistes qui vont nous équilibrer la ration. On va mettre une certaine proportion de foin de montagne, de paille, d'orge, de blé, de lin, de tourteau de lin qui va faire cet équilibre pour les oméga-3 et avoir cette alimentation, oui, équilibrée. Donc là, on est dans la FAF, donc c'est la fabrique d'aliments à la ferme. Tous les jours, on fabrique 3 tonnes de mélange de céréales et de tourteaux pour l'atelier de finition. Donc l'aliment est composé de tourteaux de colza. On a choisi le tourteau de colza par rapport aux OGM parce que tourteau de soja, on n'était pas sûr d'avoir du tourteau sans OGM. Après, on a de la drèche de blé. On a de la luzerne déshydratée, de la graine de lin extrudée, de la pulpe de betterave, du blé et de l'orge. Voilà, et des minéraux. L'oxydo-réduction dans l'alimentation, ça consiste à faire en sorte que les céréales soient broyées tous les jours. Parce qu'on considère qu'un grain d'orge, un grain de blé, c'est comme une pomme, une poire ou une banane sur une table. Une fois que c'est coupé, ça noircit, ça s'oxyde. Alors, nous faisons tous les matins la soupe fraîche. On broie les céréales, on mélange les céréales tous les matins pour que ce soit frais et non oxydé. Et si ces céréales ne sont pas oxydées, la viande ne sera pas, sera avec un pH neutre et ne sera pas oxydante ou oxydée ou oxydante. On a fait calculer une ration par un nutritionniste qui nous a demandé nos objectifs et par rapport à ça, il nous a créé une ration d'aliments. La ration est définie dans l'ordinateur et donc on prend, quand ça fabrique, ça prend un peu de chaque céréale ou de tourteau dans chaque cellule, ça l'envoie dans le broyeur, puis ça descend dans la mélangeuse
et donc toutes les céréales et les tourteaux sont mélangés ensemble avec les minéraux et ça fait un produit fini qu'on ressort sous forme de farine un peu. Et voilà, et donc c'est appétant, les vaches mangent ça très bien. Pour avoir cette viande de qualité, pour que les animaux aient un gain moyen quotidien du poids de viande, il faut que les animaux soient sains, sans parasites, sans aucune gêne, soient en bonne santé. Si la vache a un problème de carence, de parasites, quelque chose qui va l'empêcher de profiter, on n'aura pas le résultat voulu. Donc on arrive à ce résultat sur les médicaments. On ne met pas d'antibiotiques en préventif et contre certaines pathologies que l'on voit apparaître sur le cheptel, on va soigner ponctuellement une pathologie avec un médicament spécifique et jamais aucun médicament à spectre large à titre préventif. Le photovoltaïque est le volet environnemental de cette exploitation. Il nous a permis de produire beaucoup d'énergie électrique que nous vendons à EDF et nous a permis de faire des établissements beaucoup plus confortables avec plus de surface. Ici nous avons 8 à 11 mètres carrés par animal. Nous gérons l'air. Donc nous avons une ventilation qui fait que nous n'avons pas de mouches, nous n'avons pas de parasites dans l'air. L'animal se porte très bien. Il y a un espace très confortable. Il y a ici de la brumisation pour qu'il n'y ait pas de poussière en suspension de paillage. L'air est sain. On va, grâce à la brumisation, avoir un taux d'hydrométrie qui va être très confortable pour l'animal. Il faut savoir que les vaches, elles ne craignent pas le froid, mais par contre la chaleur, elles n'aiment pas. Et donc, comme c'est un atelier de finition qui est rempli du 1er janvier au 31 décembre, on a des bêtes en permanence à l'intérieur. Et donc l'été, dès que la température dans le bâtiment dépasse les 23 degrés, nous avons la brumisation qui se met en marche. Et dans les périodes de forte chaleur, on arrive à faire baisser la température de 8 degrés dans le bâtiment. Ce qui apporte un confort pour les vaches qui est remarquable. Et puis l'avantage aussi, entre la ventilation et la brumisation, on arrive à ne quasiment pas avoir de mouches dans le bâtiment. Elles n'aiment pas déjà le mouvement d'air, puis la température qui tombe, les mouches ne se plaisent pas, et donc on a un bâtiment qui est sain. Tous ces phénomènes de confort, d'ambiance, d'hydrométrie, l'eau, l'air, font qu'on a un cheptel qui se porte bien, qui est en bonne santé, qui va bien profiter et la viande sera de très haute qualité. Alors on vient de mettre en place donc ces brosses qui sont pivotantes pour permettre aux vaches de se gratter, quoi. En sachant que les vaches adorent se faire gratter dans la nature quand elles sont dehors, dès qu'il y a un arbre ou quoi, elles vont dessus et elles se font gratter, donc elles se grattent à l'arbre. Et donc ces brosses ont la particularité, elles remplacent l'arbre dans la stabulation et donc les vaches peuvent se gratter, se faire masser, elles sont pivotantes, dès que la vache la pousse, elle se met en marche, il y a une action rotative et elles adorent ça. Dès que la vache, c'est un mouvement pendulaire, dès que la vache pousse avec la tête ou avec une partie de son,
de son corps, la brosse se met en marche, et donc la brosse est rotative dans tous les sens, et elle, la vache se met contre la brosse, et ça arrive à lui faire tout le tour, ça tourne autour de la vache, quoi. Et elles y passent un temps fou. Si on veut avoir, on en revient toujours pareil, la finalité d'une vache, bon, c'est de faire un veau, une aubrac fait un veau par an, mais la finalité, ce sera toujours la viande, quoi. Hein. Et donc, une vache qui n'est pas stressée, qui est détendue, qui est pas peureuse, parce qu'on met la radio aussi, on leur met de la musique, tout, ça fait que quand on l'amène, on va dire, à l'abattoir, tout ça, elles ne sont pas stressées comme une bête qui n'est pas habituée à toute cette ambiance, quoi. Et là, ça s'y connaît, ça marche, quoi. Et bien, moi, je pensais que si elle n'appréciait pas, elle ne resterait pas là comme ça, les yeux à moitié fermés. Et quand je lui gratte l'oreille, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se dégager. Sinon, elle se serait levée, elle serait partie. Mais elle n'a pas l'air d'avoir envie, quand même. Et après, on ne le fait pas avec toutes. Il y en a qui sont plus réceptives, il y en a qui sont plus timides et voilà, qui sont peureuses. Souvent, c'est la peur qui les... Mais on a remarqué à l'atelier de finition, on a remarqué aussi, mais je pense que ça vient du bâtiment aussi, qu'il y a une bonne ambiance dans le bâtiment, parce qu'on a des vaches qui sont plus ou moins vives, et quand elles ont passé un mois et demi, deux mois, c'est plus les mêmes, quoi. On arrive... Elles sont plus calmes, tout. Je pense que l'ambiance du bâtiment et tout doit y faire. Il y a quelque chose. Aujourd'hui, on fait donc tous les métiers, on est naisseur, sélectionneur, éleveur, et ici, on est dans l'atelier de finition, mon souhait, c'est de tout maîtriser, les céréales, le foin de montagne, et toute l'alimentation, le confort, le bien-être, la gestion de l'air, la gestion de l'eau, la gestion de l'alimentation, le confort, on travaille sur le stress, il y a donc des brosses, où les vaches vont régulièrement essayer de trouver du confort, enlever des poussières, se gratter, tout ça pour le bien-être de l'animal. Et si l'animal a tout ce bien-être, il va ensuite avoir une viande de très haute qualité, quoi.